La vie suit normalement son cours en Grèce, malgré le contrôle des capitaux en vigueur depuis plus de 10 jours. C'est l'été, et les plages des environs d'Athènes sont bondées. La vie quotidienne des Grecs n'a pas changé. Ici, les gens s'amusent dans la bonne humeur, comme si de rien n'était. Je vais au travail tous les jours, rien n'a changé, même pas mon travail, heureusement, et quand j'ai du temps, eh bien, je vais à la plage. Bien sûr, nous sommes inquiets parce que nous n'avons pas un accès normal à l'argent pour payer nos factures. Mais que peut-on faire de plus sinon rester calme et attendre de voir ce qu'il se passe, dit cette femme. Il y a toujours du monde aux terrasses des cafés, on y parle beaucoup du contrôle des capitaux. Eh bien, les choses sont un peu plus compliquées pour mes affaires. Nous sommes toujours en train de nous ajuster, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais je crois qu'on va y arriver. Soit les banques vont rouvrir, soit on apprendra à s'y faire. Quant aux touristes étrangers, ils ne sont pas affectés par les limitations de retrait. Les files d'attente devant les distributeurs sont un peu moins longues que les derniers jours. Cette situation devrait durer au moins jusqu'à lundi. Le suspense est toujours là. Cependant, la plupart des Grecs essayent de vivre leur vie quotidienne normalement. Ils vont au travail, ils profitent du soleil et de la mer et ils attendent calmement le résultat.